Et bonjour à tous, c'est John Jolan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va tester une team un peu atypique, un peu originale. Une team Saga Debout, composée entièrement debout, si ce n'est le leader, SV Endurance évidemment, parce que je n'ai pas le choix. D'ailleurs c'est dommage qu'il n'ait pas proposé pour certaines catégories, enfin, en même temps je comprends, mais des leaders alternatifs, parce que bah là, typiquement, tu veux jouer cette team avec un leader super, bah ça va être un peu le bordel au niveau des keys. Après, c'est vrai que cette team n'a pas vraiment besoin d'un mauvais leader pour galérer, parce que elle galère déjà de base. Parce que, je vais vous montrer les différentes unités. Donc j'ai mis dans l'ordre de l'apparition, c'est assez sympa, voilà, Fatbou, lien de key, récupération. Ensuite, on a Superbou, qui fait des dégâts colossaux, je rappelle, et qui peut stun, récupère 30% des dégâts infligés, deux doublons. Assez sympathique, il a peur et désespoir. Ok, c'est un bon lien. Hein. Sauf que voilà, Boutenks, bloc la spé, dégâts colossaux, attaque plus 100%, combat décisif. Boane, El Famoso Boane, vitesse époustouflante. Et Boupure, il a pas de lien de ki. Donc, en fait, chacun a un lien différent. C'est vraiment le bordel, les bouts. Par contre, au niveau des boosts d'attaque, c'est assez violent. Ils ont plein de boosts en commun. Mais voilà. Donc cette team est pas du tout adaptée par exemple pour un boss rush catégorie. Clairement je pense que tu le passes pas, parce que bah, tu vas galérer à partir en spé. Donc là on va faire le boss rush Neogon, mais on va pas le faire en entier. Je pense qu'on fera les deux premiers boss et puis on s'arrêtera là, parce que à mon avis je vais devoir claquer très régulièrement des items de ki, sinon on partira jamais en spé. Donc voilà, mais bon, après c'est surtout que c'est pour le fun d'aligner des bouts ensemble. Ça fait plaisir parce qu'on les joue pas souvent à cause de ça notamment. Boane, je l'ai pas joué depuis... depuis des lustres, et là jouer Boane et Boupure 100% dans la même catégorie à côté, ça peut être très sympathique, et pareil pour les autres. Donc voilà, c'est cool, ça permet de jouer des cartes qu'on joue pas souvent, mais je vous cache pas que niveau ki c'est la galère. Bon, après les items faut bien les claquer un jour, donc voilà, donc c'est parti les amis, je compte sur vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, abonnez-vous hein, si c'est pas encore fait. On est parti, on a quand même 430 000 PV, ce qui est très très bien, hein. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Après dans cette catégorie on a 170% PV et défense, donc c'est pas si étonnant que ça. Donc rotation, on va faire Boane, Boupure et Boutenks, Boutek. Super beau. Donc là, on galère déjà au niveau du ki. Voilà. Donc je vous avais dit, hein, c'est pour ça que on va faire deux boss, parce que de toute façon après on n'aura plus d'items, donc on va galérer, donc ça sert à rien, on va pas se casser la tête. Donc voilà. Alors Boupure, je pense, va nous impressionner. Alors niveau défense, 46 000 et 43 000 sans le lien boss, donc c'est pas mal. Hein. C'est sympa. C'est pas dégueu. Bon là on a deux ki, donc Boane ça risque d'être un peu pas ouf. Mais c'est pas étonnant. Allez, let's go. Bon, franchement ça fait plaisir de sortir ces cartes là, parce qu'on les joue jamais. Donc bon, allez, envoie un peu de dégâts, comme ça on va activer le lien boss. 1,6 million sans le lien boss. Bon, après Boupure, hein, si vous voulez voir un showcase de malade, allez voir la vidéo que j'avais fait sur lui en ressuscité, c'est n'importe quoi. Hein. Il est totalement craqué, il fait des dégâts de malade. 700 000 pour Boane quand même, c'est pas dégueu, c'est pas mal, c'est honnête, c'est honnête. Alors, bah là on va garder Boutek et Fatbou. Bon, même si Fatbou va rien faire ici, mais... D'ailleurs, tu sais quoi, tu pars même pas en spé. Je crois que j'ai monté sa spé à force d'avoir des doublons. Il doit être spé, ouais, voilà, spé 4, à force de le dropper. Alors, on va mettre... Ouais, ça fait chier de prendre tout ça. Non, ça suffira. Alors ce bout tech est très très bon. Alors d'ailleurs vous remarquerez qu'on est full life, parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, alors dans cette team on a énormément de régénération. Alors je sais plus si... Alors lui il a pas le lien de transformation, lui il l'a. C'est pour ça qu'on va le mettre à côté de Boutenks. Déjà Boutenks et Boutek ils ont le lien de régénération. Boane il l'a aussi. On régénère avec Boane, on régénère avec Boupure sur l'aspect. C'est un délire, tout le monde régénère à part Fatbou. On se régénère de partout, c'est un délire. Et du coup, certes... On est très mauvais au niveau du ki, mais au niveau de la régénération, c'est la folie. Et au niveau des dégâts, on fait très mal aussi, hein, quand même. Hein. Enfin, surtout la rotation Boane-Boupure, parce que forcément. Mais vous allez voir que Boutek se débrouille pas mal, sachant qu'il régène 30% des dégâts infligés, c'est énorme. Tu tapes à 300 000, tu récupères 100 000 PV. 100 000 PV, c'est énorme, 100 000 PV sur une seule attaque. Donc c'est, ouais, bah, et en plus on la stun, ouais, magnifique. D'ailleurs, je sais pas si on va réussir à activer le lien boss, hein, parce que... Ou alors faudra faire exprès de prendre des dégâts, mais... Alors là, Boane va faire très très mal. J'ai jamais joué Boane dans cette catégorie, les amis, c'est la première fois. Donc on va voir ce que ça donne.
1 million 2. Pas mal. Parce que, bon, je rappelle que Buan est un god tier de première génération, donc franchement, c'est pas mal du tout. Sachant qu'il fait pas que des dégâts, il régène, il débuff, il faut le dire, ça aussi, il débuff. Sur sa spé, attaque et def. Et il a une sorte de spé ultime qui se déclenche, je crois que c'est 30% de chance que ça se déclenche. Donc c'est pas mal. Bon, le changeur de ki, même s'il change des ki en ki puissant, ça permet de débloquer les chemins. Et vous voyez, bah là, on est plutôt bien. Bon, là, je pense qu'on va perdre des PV, hein. Je vous le dis. Je pense que là, ça va piquer. Je pense qu'on va prendre relativement cher. 737 000 pour Boutengs, c'est pas mal. Un doublon. Très joli spé. Très joli spé. Bon, ok, bah, sans critique, voilà. Bon, après, c'est vrai que niveau défense, c'est pas ça. Il n'y a pas de tank dans cette team. Il n'y a pas de tank. Il n'y a aucun bout qui est tank, en fait. Hein. Par contre, tu vois, regarde, 410 000. Regarde, on est full life. 410 000. 30% de 410 000. Bah voilà. Du coup, on a récupéré quasiment tous les PV qu'on a perdus. Alors, par contre, là, avec toutes les attaques qu'il y a, il y a moins de proc le lien boss, je pense. Bon, est-ce qu'on ferait... Non. Non, mais Boupion, on sait ce qu'il vaut... Ce qui m'intéresse surtout, c'est Buan, en fait, parce que... Non, encore de la régénération. Non, mais... Je vous dis, c'est n'importe quoi, en fait. Bon, c'est quoi, je vais pas mettre d'item, hein. On va prendre le lien boss. Normalement. Non, mais Buan, arrête d'esquiver, t'es sérieux. Non, mais putain. Non, le mec, il a esquivé une attaque, je pense, à une attaque prendre, il avait le lien boss d'actif. Quel enfoiré... Ah, en fait... Buan, il a pris 0 dégâts sur l'auto-attaque après. Ah oui, parce qu'il a des buffs, oui. Oui, c'est normal. Bon, les SV qui sont en retrait, hein, en dernière position, hein, du coup. Mais le truc, c'est qu'en plus, ça s'y prête pas du tout parce que SV endurance, justement, faut le garder dans la rotation pour le faire monter en puissance. Et là, on les garde pas, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le bordel, mais bon. On n'a pas trop le choix. Bon, on va faire ça. Je vais faire exprès de pas partir en spé. On va garder du ki. Voilà, on prend cher, mais voilà, vas-y, coucou CJ4, c'est ça qu'on veut. Je veux prendre une spé comme ça, on va activer le lien boss juste derrière avec Buan. Ah oui, quand même, 145 000. C'est vrai que les boss, quand ils tapent sur le bon type, ils rigolent pas trop. Hein, ça, oula, non, vas-y. Non, attends. Ok, c'est bon. Attends, on va prendre cher encore, là. Ah non, ça va, parce qu'il est debuff, hein, donc ça va. Alors que Boutek n'est pas du tout un tank, hein, il a des stats normales, même s'il y a deux doublons certes, mais... Alors là les gars, alors là, préparez-vous parce que on verra pas ça tous les jours. J'espère que je vais pas trop me régénérer. Non, pas quand même. Ouais, ça va, non, ça va. Quand même belle régénération, mais bon, faut pas déconner. 273 000 pour Buan. Sachant qu'il a un nuke à 12%, donc bon, ça va. C'est pas mal du tout. Il y a pas mal de liens qui proc, hein, avec Bou pur. Au niveau de Bou attaque, il y a Majin, attaque et def 10%. Boss, 25% attaque et def. Et mur gênant, 15%. Et combat acharné, donc ça fait pas mal de liens d'attaque. On est comment là? 53 000, 57 000 en défense. C'est vraiment pas mal pour des cartes qui n'ont pas de boost de défense. Allez, c'est parti. Ça va faire mal. Bon, évidemment, on prend 0 dégâts. 1 million 5, sachant que ce n'est pas sa spé ultime. Il aurait pu faire mieux. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Donc Buan qui en soi, quand on voit ce genre de dégâts, n'est pas du tout dépassé en soi. Hein. De toute façon, en fait, il n'y a aucun god tier qui est dépassé si ce n'est Broly. Bon, après, Broly endurance, faut pas non plus trop cracher dessus. Franchement, si tu l'as à 100%, il fait 2 spé garantie, voilà, il se débrouille. Après, c'est vrai qu'en extrême endurance, bah c'est pas ouf, hein, parce que mon paro combat, c'est un peu, on a pas envie de le jouer, tu vois. Mais en soi, il fait des dégâts corrects. Mais c'est tout, tu vois, il fait rien d'autre en fait, il apporte rien de spécial. Buan, il fait pas que les dégâts, il débuff, etc, il fait plein de choses. Bon, on va mettre un item. Donc, ouais, c'est vrai que Broly est quand même dans une certaine mesure dépassé, après ça va, mais bon. Il fait des dégâts colossaux, hein, je rappelle, hein, Broly Endurance, comparé aux autres Gutiers qui ont tous des dégâts immenses. Après, SVJ est pas dépassé, il est très très bon. Omega Shenron de puissance, très très bon titulaire, encore extrême puissance, très très bonne unité. Qui on a d'autres? Buan, il est, bon, pour moi il est pas dépassé, franchement il est très très bon encore. Ensuite, God Tier, attends j'oublie. Gotenks SSJ 3 Tech, pas dépassé, attaque plus 120%, il fait très très mal. Si t'as pas l'endurance, c'est une très très bonne alternative.
Et puis, attends, agi, intelligence, endurance, on a dit, tech, on a dit, puissance, non, c'est bon, j'ai fait le tour. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des demi-god tiers, parce que c'est vrai que bah, c'était unique, hein, cette époque des demi-god tiers, hein, qui était un peu spéciale. En termes de demi-god tiers, Golden Tech, toujours au goût du jour, en ressuscité, il est extrêmement puissant, il fait très très mal, et il tanque extrêmement bien. Jubai est dépassé, il peine à tenir face au nouveau boost leader en pourcentage, hein, et du coup avec son boost en point fixe, il est vraiment largué. Même s'il reste, il est pas mauvais, excusez-moi, il est pas mauvais, mais il est largué, et ça se ressent de plus en plus, et en plus il nous fait perdre des PV, donc c'est assez violent. Après, il a un set link arrivé, il fait quand même des dégâts corrects, mais c'est vrai que bah, son boost en point fixe commence à être gênant. Donc voilà, après on a qui Black Endurance, pareil. Encore sur la globale, c'est un support, il donne ki plus 3, donc franchement ça va. Il debuff, donc il reste assez utile. Mais il a un boost en point fixe, en nuque, attaque plus 3000, c'est vraiment pas ouf du tout. Hein, c'est vraiment pas ouf, tu peines à monter en attaque. Mais bon, heureusement, c'est un support sur la globale et il debuff quand même. Bon, ça reste une unité qui peut servir. Celle plus, ça reste une très bonne unité. Après, c'est vrai qu'il y a le Celtech qui porte le même nom. Le ZTUR, il est une des meilleures cartes du jeu. Il est extrêmement puissant. Ou le petit million. Mais ça reste une très bonne unité. On peut pas cracher dessus. Vegeta Intelligence Blue, très très bon aussi. Encore au goût du jour, il n'y a pas de souci. Debuff constant sur le passif. Non, très bon. Et puis, attends, je crois que j'ai fait le tour. Demi-god, puis agi, ouais, tech, endurance et intelligence, ouais, j'ai fait le tour. Donc, il n'y a pas, dans les premières séries de god tiers, il n'y a pas trop qui sont dépassés. Si ce n'est, pour moi, les deux plus dépassés, c'est Broly et puis Jubai. Voilà, après, pour les Neogon, n'en parlons même pas. Ils sont pas dépassés parce qu'il n'y a plus de boost en point fixe à ce moment-là. Donc, ils sont pas dépassés du tout. Après, il y a des néo-gods qui ont des petits soucis. Hein. Broly, par exemple. Hein. Broly qui perd sa défense comme jamais. Mais qui, en contrepartie, fait quand même beaucoup de dégâts. Enfin, voilà. En tout cas, cette team est assez sympa à jouer. Bon, vous voyez que voilà, hein, les keys, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est... Enfin, je trouve ça cool quand même d'aligner plein de bouts parce qu'on les joue jamais. Donc, D'ailleurs, c'est dommage hein, qu'ils aient autant... Enfin, qu'ils aient si peu de liens de keys. Ou alors, pas les mêmes. Parce que là, Boutin, c'est combat décisif. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Boukolo, je crois qu'il a aucun lien de ki. Là, Super Boutek, pas mal, peur et désespoir. Mais les autres, ils l'ont pas. Donc, Boine, il a vitesse époustouflante. Ouais, c'est cool, mais les autres, ils l'ont pas. Donc, c'est vraiment le bordel, en fait, hein, dans ces bouts. C'est vraiment le bordel. Je sais pas si on peut bloquer l'aspect de Vegeta. Si on peut, ouais. Donc, ouais, c'est assez gênant. Mais bon. Bah franchement c'est fun de ramener ces unités. Alors il y en avait d'autres, hein, je vais juste vous montrer après, on aurait pu ramener d'autres unités, mais j'ai ramené ce qu'il y avait de mieux. Et je voulais ramener, faire un peu dans l'ordre, tu vois, Fat Boo, Super Boo, Boutengs, Buan, c'est assez marrant. Après il y a Boukolo, on l'a aussi, mais après il faut faire des choix. La régénération, 500 000. Alors je rappelle que, on a une barrière, non, là, non, on tapait 1 million quasiment, donc... Non mais 500 000, 30% de 500 000. T'imagines la régénération qu'on tape là. C'est ouf, il est excellent ce Super Boo. D'ailleurs j'espère que j'aurai d'autres doublons parce que je suis chaud pour le mettre 100%. Je sais pas ce que vous en pensez mais il est très très bon. Et puis en Battle Road il peut éventuellement servir. On va claquer une tenue de combat. Puis on va en finir. Bon je pense pas qu'on va le tuer avec Boo pur mais... Vous voyez la team est... Enfin... On n'a pas de tank, mais en fait, on a tellement de régène que quasiment tout en full life. Franchement, c'est cool. C'est assez sympa. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux avec un leader. En fait, ce qu'il faudrait, c'est un leader arc-bout extrême ou alors qu'il fasse une catégorie Majin. Mais c'est bizarre parce que la catégorie Majin, en fait, elle est englobée dans arc-bout. Mais s'ils font une catégorie Majin dédiée vraiment au Majin et qu'ils font en sorte que le lead soit un passif à la Thalès, un support à la Thalès. Ce serait pas mal, parce que du coup, un leader qui donne du ki à tout le monde, comme ça, on galère plus, à partir en spec les bouts,
Et comme ils ont plein de liens de boost d'attaque et de défense en commun, ce serait super puissant en fait. Ce serait pas mal en fait. Alors je sais que la catégorie, enfin que les Majin sont englobés dans Arc-Boo, mais moi je serais pas contre une catégorie Majin dédiée aux Majin avec un leader tel que Thales, enfin tel que Thales, qui ressemble à Thales en support. Ce serait vraiment très très fun à jouer. Après, je sais pas, ça pourrait être un Dabla par exemple, Dabla qui a pas vraiment de carte OP dans le jeu. Il y a du choix. Donc voilà, au niveau des unités, Bouteng s'il y a le puissance, mais bon, il n'y a pas photo. Boupure, j'aurais pu ramener le support, mais bon, vu que j'ai 100% l'autre, j'avais envie de le ramener. Après, il n'y a pas 36 choix, ouais, c'est vrai, il y a lui, mais bon. Il n'est pas éveillé, puis il est pas ouf, il a un boost en point fixe. Il y a le néo support, mais ça sert à rien dans ce cas-là. Et puis c'est tout, en fait, parce qu'après, j'ai ramené les différentes formes. Après, il y a beaucoup d'eau, il y a juste beaucoup d'eau, effectivement, mais. Mais c'est tout. Hein. Bokulo qui est pas mal, hein, mais zéro lien de qui. En fait, je te dis, voilà, il faudra un lead. Un lead où c'est un support comme ça. Ouais, peut-être avec une transformation, tu vois, comme Thales, mais. Bref. Bon, voilà, c'est tout, les amis, pour ce petit showcase. Je pense que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je trouve que c'était cool. Voilà, c'est fun. On joue jamais ces cartes-là. Ça fait plaisir de les ressortir. Et c'est marrant de tous les aligner dans la même team. Je trouve ça très, très cool. Sur ce, passez une très bonne journée. Pensez au petit pouce bleu. Abonnez-vous. Activez la cloche pour notif et Twitter si vous êtes Twitter. Sur ce, très bonne journée. Ce soir, je serai en live pour farmer Jis. Oui, Jis, puissance aujourd'hui. Et je farmerai aussi l'aspect de mon nouveau Trunks LR. Ça fait plaisir. Donc voilà, à tout à l'heure pour ceux qui sont présents. Des bisous. À très bientôt. Salut!